Monsieur Black, Monsieur White, prêt? Ouais. Parfait, en garde. Le corps bien droit sur les hanches, les jarrets pliés, les pieds à la distance de 2 semelles. Brigadier Bouzanqué, monsieur Dalpétade, vous ne pensez pas que, selon la règle, il serait préférable... Ah oui, exact, monsieur Dalpétade, exact. Messieurs, enlevez vos manteaux, vos vestons, vos gilets, les casquettes également. On va attraper la crève. Ah là, c'est le règlement. Vos bretelles. Et vos cache-nez aussi. Bien. Retroussez-vous les manches des chemises. Oui, c'est pour malheureux d'entendre ça. Mais... juste au-dessus du coude. Monsieur, remettez-vous en garde. Défroncez les sourcils. Et laissez pas tomber vos épées. Ne plissez pas le front. Mais non, monsieur Blanc, ne tenez pas votre colichemar dans deux mains, là, avec la droite seulement, près de la coquille, voilà, comme ça. Monsieur White, au pommeau. Et puis toi, parfait, excellente tenue. Relevez vos lames pour le salut. Quoi le salut? Bah, c'est l'usage, l'arme droite. Oh, faut saluer ce pouilleux. Je vous en prie, n'est-ce pas? Oh, attends un peu, je te vais te le saluer, moi, ce voyou. Messieurs, je te répète, ils ne veulent pas se saluer. Allons, messieurs, conformez-vous aux règles. Parfait. Mais ce crachat au visage est superfétatoire. En garde. Allez, messieurs. Pourri. Saleté. J'aurais ta peau. Et voilà la tienne. Allez, mes amis, allez. Loupé, à moi. Et hop. Messieurs, la pause. On va casser la croûte. Monsieur. Donnez à manger à ces gens. Dites-donc, moi, je boirais ben un bon canon. Et tenez, monsieur, Cro-Magnon 1923, cuvée préhistorique. Oh, voilà. Bah, on va voir ça. Oui. Pardon, mon vieil, il a un de ses petits goûts de caverne, mon vieil. Il y a des coups de voix farcés, là. Messieurs, la reprise. En garde. Croisez le fer. Ça va saigner, mon dieu. Allez. Allez! Je vais ouvrir la porte! Eh, moi, le seigneur blanc! Oh, et puis, tiens, il y en a marre de ces épées, allez! Alors, monsieur, que faites-vous? Voyons, alors! Oh, bleu! Ça combat de chevalerie, tourne à la rixe de chiffonnier! Oh, mon Dieu, la belle manche! Et puis, une autre, et une autre! Une troisième, une quatrième! Allez, encore! Oh, de première, le ciseau! Oh! Vas-y, gratouille, allez, cogne au buffet! Monsieur, le catch est formellement interdit dans le duel à l'épée, alors voyons. Alors relevez-vous, ramassez vos armes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allons, oh là, ils m'ont frappé, les brutes. Monsieur Black, monsieur White, en garde. Allons, allez. Et une contre. Dégagez une. Une, deux contre. Septième. Tierce. Neuf. Valet. Dix. Contre en tierce. Cinquante. À tout, dame Carénas. Belette et rebelette. Faites toucher. Arrêtez, monsieur. Arrêtez. Premier sang. Ça a saigné. Docteur, à vous. C'est pas un sang d'un tout. Voyons. Monsieur Black, blessure dans le gras du bras gauche. Monsieur White, voyons ça, dans le maigre du pied droit. Et votre bras, monsieur Black, s'il vous plaît. Là, une bande velfo. Voilà. Pas si fort. Monsieur White, je m'excuse, mais je n'ai plus de bande velpo. Je vais vous mettre une bande dessinée. Allez, on va pas aller, qu'on n'a pas été. Monsieur. Payez-leur leurs heures, mais n'oubliez pas de leur déduire les assurances sociales, n'est-ce pas? Monsieur. Oh, ben c'est alors. Docteur. Et monsieur White? C'est grave ce que j'ai. Bon, à peu près comme monsieur Black. Docteur. Et monsieur Black. C'est grave ce que j'ai. À peu près comme monsieur White. Bonjour, cher Furax. Comment sont Black et White? Pas trop mal. J'avais organisé un duel pour gagner un peu de temps. Ah oui, je sais, votre fille me l'a dit. Mais à présent, ça n'est plus la peine. Ah bon? Non, je suis à Marseille. Mon avion décolle dans une heure. Je suis sur une piste et j'ai suffisamment d'avance. Vous pouvez les laisser partir. D'accord. Et pour l'argent? Oh, donnez-leur le maximum. Peut-être même davantage. Entendu. Vous partez pour longtemps? Qui sait? Ça ne dépend pas de moi. De qui, alors? Des babus, mon cher Dalpétade. Des babus. Et ça, croyez-moi, c'est une autre paire de manches. Oh.
Pourquoi on m'a mis dans la même chambre que ce salaud de Black? Probablement pour que je crève asphyxié par ta pourriture. Allons, allons, messieurs, du calme. C'est un ordre de mademoiselle Yolande. Yolande? Oui, oui, c'est moi. C'est moi qui ai demandé qu'on vous mette dans ces lits jumeaux. Hein? J'avais à vous parler, à tous les deux. Alors, plutôt que de dire deux fois la même chose. Vous aviez... à nous... parler? Oui, je voulais vous demander pardon. Chut, ne dites rien. Pas de protestation. C'est moi qui me suis mal conduite avec vous. Oh, j'ai joué un jeu stupide. Le jeu des filles mal élevées avec les braves garçons. Seulement, vous êtes des types bien. Et ça a été plus loin que je le pensais. Ah, c'est de tout ça que je voulais vous demander pardon. Vous avez risqué votre vie comme ça, bêtement, sur un terrain de croquet. Vous qui pouvez servir tellement ailleurs. Je vous revaudrai ça, Monsieur Black, Monsieur White. Un jour, on se retrouvera et je me ferai pardonner. En attendant, soyez des choux. Accordez-moi le sursis. Entendu? Promis. Oh, merci. Bon, parfait, très bien. J'ai vu le docteur, je suis très content. Pourquoi, vous étiez malade? Non, j'ai vu le docteur pour vous. Ah. Il dit que si ça ne s'envenime pas dans les 5 prochaines minutes, ce qui évidemment serait catastrophique entraînant la gangrène et la mort immédiate, si ça ne s'envenime pas dans les 5 minutes, vous êtes sauvé. Il n'y a qu'à attendre. Bah, inutile, il y a une demi-heure qu'il m'a dit ça. Ah. Vous êtes sauvé, mes chers amis. Bon, votre séjour au château des Limaces tire à sa fin. Vous pourrez partir demain. Tout est prêt. Non. Je tiens à votre disposition une certaine somme d'argent que j'ai déposée au compte chèque postal. Non. Combien? Disons, pour commencer, une dizaine. 2 000 francs? 2 millions! Philodendron? Monsieur White? Demandez à Monsieur Black s'il n'a pas oublié ma brosse à dents et mon tire-bouchon. Philodendron, vous répondrez à ce monsieur que je connais mon métier. Comment? On se parle toujours par personne interposée? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voulez-vous vous réconcilier? Jamais! Jamais! Papa. Oui, mon petit. Laisse-moi seul avec eux. Oh, si ça peut te faire plaisir. Venez, Philodendron, nous allons jouer à pince-mi-pince-moi. Monsieur Black. Mmh. Monsieur White. Mmh. Serrez-vous la main? Non. Écoutez, vous n'avez plus la moindre raison de rester fâché. Oui, je sais, c'est pas très chic. Mais est-ce que vous savez ce qui peut se passer dans le cœur d'une jeune fille qui s'ennuie à la campagne? Ouais. Vous êtes moqué de nous, Yolande. Oh non, non, surtout pas. J'ai joué avec vous, c'est tout. Mais, en somme, vous ne nous aimez pas? Non. Ni l'un, ni l'autre? Ni l'un, ni l'autre. Vous m'en voulez, hein? Ouf. Non, dans le fond, non, Yolande. Ça me permet de retrouver un ami. Mais ça vaut mieux que tout. Je crois que t'as raison, mon vieux White. On s'est conduit comme des enfants. Il faut de temps en temps, ça empêche de vieillir. Alors, on se serre la main? Non. Non? On s'embrasse. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.